Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation libre de coloriage. Donc là, c'est un 160 colo qui me vient de chez Action. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. De temps en temps, ils remettent des anciens. Enfin voilà. Moi, je les ai trouvés il n'y a pas très très longtemps. Donc, mais bon, en même temps, je ne sais pas quand je vais poster la vidéo. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez trouver à Action pour vraiment pas cher. Franchement, pour un livre de coloriage avec 160 colos, avec un papier qui est quand même relativement épais, je trouve que niveau qualité-rapport, qualité-prix, on est vraiment pas mal. Et je pense que vous pouvez très bien utiliser la peinture, les feutres aquarellables, enfin les twin markers, je cherche un nom. Voilà, si vous n'êtes pas fan du coloriage qui est au dos, voilà. Je pense que vous pouvez mettre une petite feuille cartonnée derrière et utiliser si vous n'avez pas que ça transperce. Mais je pense que voilà, si vous voulez sacrifier le dessin du dos, ça. Oh, il est vraiment joli celui-là. Donc celui-ci, là, je ne le sacrifierai pas. Mais pourquoi pas sacrifier celui-ci qui est moins macabre. Donc voilà. Si vraiment ça transperce, je sais pas encore, j'ai pas vraiment testé encore, donc mais si vous le savez, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si vous avez déjà testé, si vous trouvez que ça transperce pas, quel matériel on peut utiliser dedans, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Merci d'avance. Donc on va continuer. Hein, mais voilà, je pense que sur les 160, je suis pas forcément fan, donc pourquoi pas faire celui-ci au feutre twin marker. C'est pas grave si ça déborde, j'ai envie de vous dire. Ces livres de coloriage pour tester vos crayons, le petit prix, je pense que ça suffit amplement voilà, pour tester les colos, les combos. Tester du matériel, tester le pastel, tester les aquarelles. Enfin, je trouve que ça peut être vraiment pas mal. Parce que moi, je trouve que le papier est quand même relativement épais. Hein. Donc, je pense que ça peut le faire. Pour tester vos feutres ouais, aquarellables, les stylos pailletés. Oh, on peut vraiment s'amuser, je pense. Vous avez des traits épais, vous avez des traits fins, vous avez des motifs très... Là, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de motifs, vous avez beaucoup, beaucoup à faire. Et vous en avez des un peu plus légers, normalement, vous devrez en trouver. Ou ils sont un peu plus simples. Oh, j'aime beaucoup ça. Voilà, c'est un peu plus simple. Donc oui, je vais pouvoir m'amuser, m'éclater avec ça. Et il faut que je me trouve des petites colles à paillettes. Je regarde à Action. Colle à paillettes. Oh, il est beau celui-ci. N'hésitez pas à faire pause hein, si je vais trop vite. Si vous voulez regarder un peu plus... plus longuement une page, n'hésitez pas. Bon, j'avance quand même relativement vite hein, à 160. Je voudrais pas qu'une vidéo présentation soit trop longue. Vraiment plusieurs styles et je les trouve vraiment très jolis ceux-ci hein. Ça j'aime pas, ça j'aime bien quand ça s'amuse. Ça forcément je kiffe hein.
Et je pense que pour se défouler, là, il y a de quoi faire. Magnifique. Donc voilà pour cette présentation livre de coloriage, donc Adult Coloring Book de chez Action avec 160 coloriages, donc c'est chez DecoTime. Je trouve qu'ils font vraiment de bons produits. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous les avez déjà testés ou pas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me soutenir via Utip. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.